Eh bien salut tout le monde, c'est Expert of Beats, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, je pense que vous le connaissez pour la plupart, le tout nouveau jeu d'horreur Until Dawn. Donc voilà, c'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo et j'avais envie de découvrir ce jeu avec vous, donc on va tenter ça. Et donc on va lancer l'histoire. Commencer une nouvelle histoire, effacera de progression actuelle. Non, ouais, parce que du coup je vous explique vite fait, bon tant pis j'efface mes données. C'est que j'ai commencé à faire du live stream sur Twitch pendant 2 heures et la vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle ne s'est pas sauvegardée. Du coup, je n'ai plus la vidéo, du coup, je vais tout refaire avec vous. Je m'étais arrêté au chapitre 2 ou 3, je sais plus, mais j'ai vraiment pas été très très loin, donc ne vous en faites pas. La plus petite décision peut changer le futur de façon. J'ai pas eu le temps de lire. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Ça, c'est bien ça. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. En effet. Bon, l'histoire, je pense que vous la connaissez à peu près. Bon, j'en sais pas plus que vous, mais c'est 8 jeunes qui partent dans un chalet, je sais plus, pour en rendre hommage aux jumelles. C'est la sœur de c'est les sœurs de Josh, je crois, un truc comme ça, d'un personnage. C'est le propriétaire du chalet et décide de leur rendre hommage pour partir. Voilà, donc là, le fameux psychopathe. Les psychopathes et ils veulent passer la nuit, enfin ou une semaine, enfin je sais plus. Et le but, nous, c'est de survivre toute la nuit en fait. Le psychopathe va tenter de nous défoncer la tronche, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna. Salut Anna. Et on revoit là le fameux psychopathe. Hey, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh. Et nous commençons avec Bess, une des personnages du jeu. Bon bah, je trouve ce jeu relativement bien foutu, franchement il est graphiquement il est super beau. Après je suis pas très doué pour donner les caractéristiques d'un jeu, mais franchement je le trouve vraiment énorme. Il est super bien fait, surtout le non, franchement comme slasher movie il est au top. Les décisions sont bien pensées, on doit vraiment se dépêcher, sinon bah c'est le drame. Donc je sais plus trop ce qu'il faut faire. Déjà il y a un truc lumineux là. Bon bah c'est fermé. Je sais plus, il faut réveiller ou je sais plus, il y a un truc à faire ici. Ah, je sais plus du tout. Ah, il y avait croix. Voilà. Hop. T'es trop sexy avec So, mais je parie que tu l'as encore plus. Hein. Oh là là. Les petits cochons. Dans quelle merde notre sœur s'est encore foutue. Bon, faut qu'on intervienne. En fait, il fallait juste lire le petit mot. En fait, non.
Bon, je suis déjà bloqué au début, c'est cool. Les gens, ils vont quitter le... Ils vont fermer la vidéo direct. Non, ouais, bon, la bouteille, il est bourré. Tout va bien. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Voilà, bon, bah, j'ai vu très des bien. gros. Content que tu sois revenu. Peut-être qu'on pourrait commencer à... Tu sais, sploter. Voir cette semaine. Oh là 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 là. Oh putain. Elle a l'air son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille. Mais... Les enfoirés. Tous trop cons, vous le savez. Anna. Pointer à mettre pour choisir. Ah ouais, voilà, donc là le premier choix va d'être voilà, réveiller Josh ou les rejoindre. Bon, on réveille Josh. Mais il est trop bourré pour se lever. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était une... Elle a un C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi? On voulait déconner, mais c'était juste pour rire. Bande de sales cons. Anna. Anna. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle envoie. La prise, la prise d'action, c'est vrai que ça va la fin du temps. Donc c'est une séance. Voilà, QTE, qui commence? Franchement, ça commence vraiment fort dans ce jeu, j'aime bien. Bon, rapide, prudent. On est des fous dingues, on est pressé. Chemin rapide. Direct. On perd pas de temps. Alors, suivre le bruit, suivre les pas. Suivre les pas. Bonjour. D'accord. Ah c'est vachement, c'est super stressant, franchement c'est super bien foutu l'ambiance. Elle est bien pensée. C'est bien dosé, tout ce qu'il faut. Oh la vache. Je m'en rappelle déjà plus. C'est super stressant. Ça va être à kill. Pas mal. En plus, voilà, en bougeant la manette, c'est comme si on bougeait le téléphone de Bess. Donc c'est pas mal, c'est qu'un détail, mais... Oh merde, j'ai flippé. Je me rappelais plus, j'étais à fond dans ce que je disais. Appuyer sur rien pour marcher plus vite. Et attention, qu'est-ce que c'est? Le totem. Totem de mort. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez des totems. Donc voilà, donc il y aura des totems et ce totem indique la mort. Donc à nous d'essayer de l'éviter. Enfin, je sais pas si on peut l'éviter en fait, mais on verra bien. Mais il y a plusieurs de totems. Il y aura des totems de chance, des totems de danger qui puis viendront du danger, des totems de mort comme celui-ci, des totems. Oh, oula, je sais plus. Enfin, vous viendrez, vous verrez bien dans au fil du jeu. Je suis trop stupide.
Allez, 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 ça c'est ballot, ça. Faire ton téléphone comme ça. Alors, ça c'est cool. Tiens, maman. Oui. Tiens, maman. Vache. Alors là, j'ai vu beaucoup de gens le laisser tomber et la lâcher, mais personne, enfin, j'ai vu personne encore ne rien faire. Alors je vais tester de ne rien faire pour voir ce que ça va faire. On voit ça. Aïe. Bon d'accord. Ça c'est fait. En fait, ouais. C'est pareil. Bon. Très bien. J'ai compris. Ils sont obligés de crever. Bon bah. D'accord. Avant de commencer, ouais, le fameux psy. Il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons un choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Oh la tête. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. C'est fou, il a une manière de parler, mais... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accorde. Quelle que soit l'angoisse qu'elle provoque. Et lui, je sais pas, mais il a trop une tête de méchant en fait. Bon. Commençons par un exercice si simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être fort. Il me fait trop penser à François Hollande, ce mec. Je sais pas vous, mais... Bref. Bon, je vais mettre pause. Alors, je suis vraiment désolé, les gars. Et les filles, s'il y en a. Voilà, je vais vous laisser là parce que du coup, moi, je filme directement avec la PS4. Je sais pas encore quel moyen je peux faire pour filmer et faire un montage ou quoi. Je pense qu'avec l'Elgato, enfin, je sais pas trop vraiment comment faire. Je suis pas expert dans ce domaine-là. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou n'importe des trucs à me dire, n'hésitez pas à me faire parvenir dans les commentaires. Je mettrai le lien. Les liens de la page Facebook, de Twitch, parce que peut-être que je referai des lives. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, si vous voulez que je recommence le jeu plus tard avec d'autres choix. Et voilà, donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et si au pire, vous pouvez me dire aussi comment faire pour filmer le jeu avec autre moyen que directement avec la PlayStation, ça serait cool. Comme ça, moi, je pourrais montrer mon visage pour que ça soit vraiment encore plus fun. Et enfin plus fun, j'aime plus parler français. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao ciao.